Bonjour, c'est Gray Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge de Magie. On est sur le pendentif mignon de Cthulhu, donc deuxième édition. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus récemment et ça s'était passé, enfin ça s'était fini de façon assez étonnante. Donc on y retourne. On veut 3% R ou 2% PO pour un anti-feu PVP. On a 97 depuis. On va commencer par l'Overagi. Moins 20. On va enlever ça. Allez, à la faux. C'est parti. Je peux mettre la Rainée. Ah, ça fait mal. Ouf, celle-là, je l'ai senti, hein, évidemment. Bon. Donc, bah, pas de chance, hein. Moins 5. Non, mais ça partait très bien. J'étais en train de me dire, on va avoir une maxi tenta. Ça crit. Mais évidemment, c'est. La vie, on a décidé autrement pour moi. Écoutez, il me reste deux depuis, je suis vraiment refait, hein, c'est un régal. Bah écoutez, on va PA déjà. Et voilà, hein. Bon, allez, on est reparti pour une bonne grosse session, on adore. 90 depuis, belle tenta ici. On va commencer par l'over à la Rainée. Moins 20, ok, on a un petit crit qui nous met bien. Je peux soit récupérer une récré, mais ça va être un peu chiant après. En vrai, je vais go pas faux, je pense. Tac. Rage. Yes, c'est pas mal ça. Moins 7. Alors on a récupéré le puits hein, sur le petit over, c'était nickel. On a une tenta insane, 57 depuis. Je vais pas pouvoir faire grand chose des 3 qui me restent. On peut tenter un crit pas faux. Neuf tenta, c'est très beau. Hein. C'est très beau, franchement. 40 sagesse. Bon, on a moins un vita, mais c'est vraiment magnifique. Est-ce qu'on a une petite tenta 3% là-dessus? Ça m'est très bien en vrai. Eh oui. Les amis, est-ce qu'on a ce magnifique 3%? Eh non. Oh, je suis déçu là, je vous cacherai pas que j'ai le seum. Allez, on continue. 40 sagesse, c'était tellement beau. 96 depuis. Beaucoup d'over à faire, hein, ça va être un peu technique. Moins 10. Petit récri. Ok, bon ça c'est pas mal que ça soit passé, ça fait plaisir. Hop, full perf. On aura une tenta full perf, mais ça va être compliqué. Il va falloir aller chercher le 89 d'Intel, et là je vous avouerai que ça fait flipper. On est à plus 0,2 pour l'instant. Moins 7,5. Il faut la passer celle-là, hein, c'est vraiment... Moins 30. Le pire, c'est que je la récupère même pas en fait derrière. Et oui. Le reste de mon jet est clean, hein. Il n'y a pas à dire là-dessus, hein, mais bon. En vrai. Bon, on va y aller là, pas faux. Hein. Si ça passe comme ça, je peux récupérer le puits peut-être. 4. Yes. Moins 20, il me reste 24. Parfait. Je récupère en plus les 6 d'over, donc j'ai 5 tentas. C'est ok en vrai. C'est un bon cas de figure par rapport à ce qui pouvait se passer. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah putain. Cela dit, c'est du full perf. Hein. Pas de PA. 97 depuis. Bon, on a le perf sagesse, c'est cool. La vita, il nous faut un moins 6. Hein. Là, c'est le côté un peu technique. Moins 10. Allez, il me faut le meilleur moins 6. Yes! Bon, on a potentiellement le full perf. Ok, l'intel qui n'est pas trop capricieuse, ça fait plaisir. On va faire ça comme ça. Ça comme ça. Petit rage qui passe. Oui, magnifique tenta là, les amis. Peut-être le full perf 3%. Il me semble que j'ai déjà eu une ou deux tentas full perf 3%. Petit crit sur les deux feux, ça met bien. Moins 6, j'aurais pu commencer par les récrits qui étaient en sous-jet, ça aurait été un peu mieux. Oui, moins 2. Les amis, on a un truc potentiellement très stylé là. Le crit, yes. 50 tout pile. Alors sur du 50 tout pile, ce que je peux faire, c'est il me faudrait deux crits à l'arrêt neutre.
Et je gagne une tenta. Ok, 48, donc 6 x 8. Hop. C'est très très beau, hein, les amis. Très très belle tenta. Allez. Allez. Ben non, mais c'est pas marrant en fait. Y a zéro fun là-dessus, je suis désolé, hein. C'est pas marrant. 94 de puits. Alors, la Vita va être un peu technique. On a un over de 18. 18, c'est 5 et 13. Il me faut un moins 5. Oui. On a le perf, c'est pas mal. Bon, j'ai plus 0,1, je le mets pour la forme, hein, mais OSF. Donc, tac, allez, ça passe, c'est bien. Moins 10. Je vais go récri. Oui, je prends. Yes. Hop là, parfait. Oui, ça se passe très très bien. On aura encore du full perf. C'est magnifique. Bon là, je vais go sur les récris. Tant pis s'il faut y aller de 19 à 20, ça peut être un peu chiant, mais tranquille, ça va le faire. Oui, le crit. Oui, les amis. Ça, c'est bien, ça. Moins 6. On a une tenta de dingue, hein. Potentiellement. Bon, après, de toute façon, on aura 32 tenta repair et on aura 1%, si vous voulez. Au fond de moi, j'ai accepté déjà. Mais c'est pas grave, on vibre pour ce qui se passe. Et déjà, ça, c'est beau. 49-1, écoutez, 8 tenta. Est-ce qu'on fait mieux que le 1% de tout à l'heure? Encore du full perf. Je tryhard mes jets quand même, hein. On pourra pas me dire que je tryhard pas les gros jets, hein. Allez. Eh oui, on a déjà mieux que le 1%. En vrai, une tenta à 3% là-dessus, ça serait trop bien. Et non, et non, et non. C'est beau, hein. On fait tout ce qu'on peut, mais non. Et non, mais non. On n'a pas été assez fort, hein. J'essaye de toutes mes forces, les amis. Je vous promets que j'essaye de toutes mes forces, hein. Allez, on continue. 99 de puits. On va tenter, hein. Moi, je suis un... J'aime jouer, moi. Ah, putain. C'est bon, j'aime plus jouer, c'est bon, c'est chiant. Non, mais on atteste, hein, on atteste. On récupère le petit over là-dessus. Ok, c'est pas... En vrai, c'est pas trop mal. J'ai un moins 10. Oui. Moins 10. On s'est fait bolos par la Vita. Mais on a de la réussite sur le reste. Et on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, les amis, évidemment. On prend ce qui vient. Hein. Hop, moins 10. Potentiellement une tenta sympa quand même. Moins 12. Un peu dommage de perdre là-dessus. Il me faudrait un de plus. Je pense pas avoir un de plus. Hein. On va tester le petit crit à la faux. Non, on va tester le crit à l'arrêt neutre. Et non. Donc là, j'ai eu moins 5, 42. Bah non, je peux rien faire de plus. Donc, enfin, techniquement, bon, techniquement, pour faire les choses à fond, je peux encore tenter du crit, hein. Mais en vrai... Ouais, non, c'est de la merde. Donc, j'ai 7 tentas. Hop. J'ai voulu stop parce que j'ai eu peur d'avoir fait de la merde. Mais non, tranquille. Faut jamais douter, faut jamais douter. Bon, de toute façon, le PR passe pas, donc est-ce que ça vaut vraiment la peine de... Est-ce que ça vaut vraiment la peine de compter, les amis? Bon... On peut se poser la question si vous voulez, c'est... on continue. 95 de puits. Tenta pas magnifique, mais potentiellement beaucoup de tenta repair derrière. Moins 10, allez, il me faut le moins 6. Je veux le meilleur moins 6 du jeu. C'est parti, c'est maintenant. Et évidemment, je les call. Oui, ça passe. Oh là là, ça va être une tenta monstrueuse. Vraiment. Hein. J'ai moins 9 là. Alors, on a un petit problème de récri. Est-ce qu'on a vraiment besoin des récris sur un item? On peut se poser la question éventuellement. On va faire ça comme ça. Moins 2. Oh, c'est insane ce qu'on a.
En vrai, j'ai 68. Je vais aller à la récré pour l'instant. Attendez, j'avais fait un moins 2. 1, 2, 3. Là, j'ai moins 8. 8. Si j'ai un crit maintenant, c'était pour tomber sur des congruences parfaites, un multiple de 6 en fait. Il me faut un crit maintenant. Ah, dommage. J'ai 56. Je peux continuer la test hein, jusqu'à 17. J'ai moins 6 encore là. Je sais plus, j'ai compté combien. On va dire qu'on a ça. Hein. J'ai peut-être moins 1 de plus encore. 50. J'ai peut-être moins 2, enfin j'ai peut-être 2, j'ai peut-être compté 2 de trop. Bon, on va dire j'ai 48 pour être safe. Je crois que j'en ai oublié une, mais j'ai un doute. De toute façon, ça change plus grand-chose à ce stade. Allez, il faut bien cliquer sur les runes là, hein. Il faut être très concentré. Allez, je me concentre pour me mettre un 3. La concentration, c'est que ça en fait. Il faut se concentrer quand on fait de la FM. En fait, tous ceux qui passent pas des 3%, ils sont juste pas concentrés. Il faut dire les choses, honnêtement, les amis. Il faut dire les choses. On se concentre quand on clique les runes. Tout le temps se concentrer. Je me concentre pour le PA. Je me concentre. C'est bon, je suis concentré. Hop. Ah. Ça me paraissait freebin. Écoutez, j'ai peut-être trop de confiance de la part du joueur français. On ne saura jamais. Unlucky. 98 depuis. La légende raconte qu'on a un petit problème d'agilité. Oui. Non, mais je le nie pas. Hein. Il faut y aller. Hein. Il faut y aller. Et voilà! Mais bien sûr, en fait. Moins 30. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rien faire du tout. On va faire. Tac. 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 Oui. Oui. Ok. Yes. En vrai, on n'a pas un père sagesse. Oui, genre, faut le reconnaître, on n'a pas le père sagesse, mais. Je vais mettre une fuite en vrai. Fuite. Alors évidemment, il y a la sauvegarde du serveur qui fait tout laguer. Hein, oui, on connaît. Mais, on a potentiellement une tenta colossale. On me dit 58, plus 4. 62, j'ai fait un peu le con, j'aurais mieux fait de mettre deux raies neutres. J'aurais plus facilement pu choper un crit. Parce que là, à 62, en fait, je peux pas crit. Enfin, si je tente une fuite, je perds une tenta si ça passe pas. Donc, on va faire 10 tentas. C'est déjà pas dégueu, hein. Ah, j'aurais mieux fait de faire deux raies simples, ça aurait été mieux. Bon, il faut bien cliquer les runes. Raté. Oui. Allez, je me concentre. Raté. Ça commence à faire beaucoup de PA qui passent pas quand même. Hein. C'est. Ça fait 1h30 qu'on est sur l'item, on n'a pas un seul PA qui passe. Pas de chance. Non, moi je pense que c'est moi qui clique pas bien. Allez, on continue. Hein. 90 depuis. 37 sagesse, ça fait plaise. Bon, on aura un. Il y a un de vita en trop. Bon, c'est quoi un de vita? C'est. Dans une vie, c'est pas grand-chose un de vita. Mais bon, là, on n'a pas trop de. J'aurais pu hein, éventuellement y aller à la pavie, essayer d'avoir un truc plus clean, mais. En vrai, je regrette. Ouais, je regrette presque. J'aurais pu faire pavie et tenter de bourriner les faux. Bon, ça m'aurait bouffé du puits, mais ça aurait pu faire un truc plus propre. Bon, écoutez, c'est fait. Faut pas avoir de regrets dans la vie. Moins 9. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? En vrai, on va mettre ça. Hein. Tac, 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 tac. Oui. Ça va faire beaucoup de tenta repair en théorie, si on se fait pas trop bolos par là, pas ça. Va falloir la petite récré. Yes! Oui! Je dis oui, je dis oui. Un petit crit, je crois que j'ai 60 piles là. Ah, il me faut un crit de passage, les amis.
Eh oui, alors j'ai oublié les deux feux, GG au chat qui a sauvé l'attentat. Bon, du coup, ma théorie du crit est un peu moins fonctionnelle, mais c'était quand même beau. Merci le chat pour les deux feux, regardez. Ça, c'est la faute du chat, ça. Moi, j'aurais pas mis les deux feux, je l'aurais pas vu, mais j'aurais au moins, j'aurais vibré. Évidemment, j'aurais mis un 3% qui serait repassé, et à la fin, j'aurais vu que j'avais pas les deux feux, et je serais merde, et je l'aurais mis sur YouTube, et je me serais fait insulter dans les commentaires. Eh, tu fais n'importe quoi, tu sais pas FM. Bon, si vous voulez, tranquille. Bon, on a perdu 25 depuis. Il nous reste 35. Bon, c'est quoi 25? Si vous voulez, bon. Est-ce qu'on a un qui reste d'avant ou pas? C'est ça la question. Je pense pas en vrai. Là, j'ai un truc. Non, j'ai pas du tout de puits résiduels. En vrai, je vais tester un petit crit à la faux. Ah. Peut-être un crit à la réfixe. Ah. Ça commence à faire beaucoup de runes qui passent pas. En vrai, je vais juste faire deux tentavis. J'aurais même pu faire full tentavis en vrai. J'ai 5 tentas. Pas de chance. 90 depuis. Bon. Le G est pas hyper clean, mais. On perd du puits là-dessus, c'est un peu dommage. Mais ça peut faire une grosse tenta. Oui. Yes. J'ai combien de puits? Je vais regarder. J'ai 60 tout pile. En vrai, plus opticien ça, je pense. Voilà, pas de regret. Je pouvais tenter de gagner à la pas faux en crit, mais je préfère une tente à ça parce que si ça passe, ça me fait un jet tellement beau. Les amis, ça va être la dernière tenta de la soirée. Donc, 10 tentes à repair, tout peut arriver, c'est maintenant. Allez, une. Deux. Allez, la troisième. Je veux la petite ligne verte. Oui. Oui, les amis, oui. Je vais boire un coup d'infusion au thym, évidemment, pour me donner de la force. C'est là qu'il faut cliquer sur le PA comme il faut. On donne tout, le chat, donnez-moi de la force. Ça commence à faire beaucoup de stream pour un 3% sur un item à plus PA, c'est quand même. Ah! Pas de chance. Pas de chance, pas de PA. Pas de PA. Pas de PA. 95 depuis. 36 de sagesse. Bon, la vita est un peu moche, mais on va le laisser comme ça. Ça peut donner une grosse tenta. Si j'ai l'over intel que je récupère sur les récris, ça peut faire un truc assez fat. C'est la première de la soirée, là. On vient de reprendre l'item. En vrai. Oh yes. Les amis, ça va nous faire beaucoup de tentas. Qu'est-ce que je fais? Je peux soit mettre une sagesse, soit y aller à la pas faux. J'ai 65, en vrai je vais pas faux. Petit cri de pas ça peut-être. Quand on demande gentiment, ça passe bien. Bah écoutez. Hein, ça fait quand même pas mal de tentas. On est sur 11 tentas, on pourra pas faire grand chose de ce qu'on a en rab. Non, mais c'est une façon correcte de commencer la soirée. Moi je dis 11 tentas pour commencer, voilà. L'item m'a pas trop respecté sur les derniers streams. Là, il me souhaite la bienvenue sur mon stream. Non, mais ça me fait plaisir en fait. Ça me fait plaisir. Donc, let's go. Alors. Tout ça pour 2%. Ça sert à quoi que j'aille chercher 11 tentas pour avoir un 2%? C'est la technique opti. Hop. On va évidemment lâcher notre meilleur moins 6. Hein. Ah, j'étais sûr de moi pourtant. Je sais pas à quel moment la situation a ripé hors de contrôle. Alors hop, tac. Bah alors oui, les crits je prends, hein, ça me va. Hein. En vrai, si on full crit, on peut faire des trucs. Hein. Mais oui, mais bien sûr en fait, évidemment.
Bon, du coup, j'ai pas compté. C'est tellement moche. Oh, on va bien avoir un petit 3% là-dessus. Oh putain, j'avais peut-être une tentative à 2% PO. Pas de chance, pas de chance, pas de chance. Ah, mais j'ai cut, mais en fait, on a le PA qui tombe sur le PO. C'est obvious. C'était évident. Bon, j'ai eu le culot de ne pas compter le puits avant en me disant bah, je vais avoir 3%. Est-ce qu'on n'irait pas jusqu'au bout de la démarche et on referait pas la même chose par hasard? Ah non, mais là, franchement, c'est zéro fun. Hein. C'est zéro fun. Mais. Ça fait beaucoup de. Ça fait beaucoup de mains reliquats quand même. Hein. Ça fait beaucoup de mains reliquats, je trouve. Hein. Et puis évidemment, je passe mes meilleurs PA là-dessus. C'est. Les amis, je sais pas. C'est vraiment, vraiment unlucky. 96 depuis. La vita est pas terrible. Ça fait mal. En vrai, il me faut moins 11. Oh putain. Bon, c'est la sauce. Non, bah c'est la mort. Je faisais exprès de mettre de l'intel hein, pour pas que ça fasse d'exo et que je puisse pod ensuite, mais non. On s'est fait bolos. Ah, quand ça veut pas, les amis, quand ça veut pas, ça veut pas. Il faut accepter la fatalité. J'ai même pas envie de compter en vrai. Bon, ok, on va compter. Donc, on a moins 20. Moins 12. Moins 12, bah écoutez, il me reste 2, j'ai bien fait de compter. Est-ce qu'on a une tente APO là-dessus? Non. Bon, là c'est une dinguerie. J'étais en train de dire à mon chat, il faut que le PA tombe maintenant, 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 en faisant mes carabistouilles évidemment pour maximiser les chances de chute du PA. Et oui, j'ai réussi, je l'ai fait tomber le PA sur un 400 Vita 40 Sagesse. J'ai utilisé tout mon karma, là le karma est chargé à fond parce que je me suis tellement fait boulos par l'item, ça devrait bien se passer. 97, on a l'intel, l'agi, les dos R à monter et le reste est nickel. Ça peut faire un truc de ouf. Après, bon, il se pourrait que par le passé, j'ai eu 13 tentas et qu'on ait passé 15%, mais bon. Je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Déjà moins 50 pour l'intel, ça fait beaucoup. On va pas relever, on va faire comme si tout allait très bien. Voilà, on compense sur les crits. Oui. Pas faux. Oui, allez, maintenant il faut qu'elle passe. Il faut qu'elle passe. Moins 20. Rah, on avait un truc magnifique, on a défoncé beaucoup puis les overs, hein, les overs qui pardonnent pas. Qui ne font pas de cadeaux. Pas de cadeaux, pas de cadeaux. Hein. Moins 3. Bah, j'ai tout pile 4 tentas. Bon, au moins ça tombe tout rond. Peut-être le perf 4%. C'est encore possible. J'y mets tout mon cœur. Hein. Je vous promets que j'y mets toute mon âme. Hein. Mais il y a des limites à ce que je peux faire. Hein. Bon, on va total écrit très perdu. Hein. Et non. On pose l'amulette 2 secondes pour s'occuper du casque Dragoff d'un abonné qui m'a demandé de m'en occuper. Alors, il y a 228 de Vita.
Bon, moi, je lui ai dit direct là-dessus, faut mettre un PM, parce qu'un PM là-dessus, ça met bien. Mais monsieur ne peut pas se risquer à mettre un PM, ce que je respecte. Donc, il y en a dans le chat qui me disent, parce que du coup, on en a un petit peu discuté avant, il y en a qui me disent là-dessus, il faut mettre une repair ou genre une par écrit, un truc qui pèse 6, et on a moins 30 ou moins 31, et voilà, ça sécurise le truc. Sauf que l'individu en question veut 199 ou 200. Donc, ce qu'on va faire, c'est suite à un... On a fait des sondages et tout, on a fait plein de trucs. On va mettre Pacha. On va faire Pacha into Pod. Dans le meilleur des mondes, la Pacha, elle fait moins 15, la Pod, elle fait moins 13, et c'est plié. Mais il faut pas que ça passe, il faut que je me tape des échecs. Si ça passe, ça va être plus compliqué. Donc c'est un peu technique, c'est un peu délicat. Il y aurait plusieurs façons d'aborder les choses. Mais voilà, après discussion avec le chat, on s'est dit qu'on allait tenter comme ça. Donc là, il faut mettre Pacha et Pod, et il faudrait qu'on ait des échecs, et pas des succès neutres. C'est le meilleur cas de figure. Il fallait pas que ça passe, et il fallait pas que j'ai un moins 16. Donc là, c'est insane. Et on va pouvoir... Alors là, il faut pas que ça passe non plus. Si ça passe, par contre, ça va être un peu plus technique. Putain. Je pense que là, le mieux, c'est de mettre des runes vie. Mettre des runes vie pour faire tomber les pods. Ça me paraît être le meilleur call. Beaucoup d'avis différents dans le chat. On me dit pavie. J'ai pas le puits pour la pavie. J'ai pas le puits, les amis. J'ai un over de 2,5. Et j'ai 0,1 en rab. J'ai 2,6 depuis. C'est pas possible que je mette la pavie et que ça fasse juste tomber les pods. C'est pas possible. Ça va me défoncer d'autres trucs. Ça peut me faire tomber un repair et là c'est juste la fin du monde. On me dit récri. En vrai, je pense que récri c'est le meilleur call. On pourrait mettre deux runes vie. Après les pods, ça peut faire du. Y a des bouts de pods qui partent. On peut se retrouver avec un 3 pods. Ça peut être l'enfer. Hein. Je pense que récri c'est le mieux. Il y en a plusieurs qui me disent ça dans le. On va mettre neutre, c'est pareil. Ou alors il y en a qui me disent pod. Pod aussi, ça peut le faire, pod. Je pense que les meilleurs calls, c'est soit pod, soit une ré simple qui pèse 2, soit rune vie. La pod, elle peut effectivement faire tomber les pods, elle peut aussi casser d'autres lignes. Hein. Ah, le chat est en roue libre. On va demander à l'abonné en question ce qu'il veut. Mais je sais pas s'il connaît assez pour avoir un avis. Le pod, ça peut faire tomber le pod, mais bon. Je pense pas que ce soit le meilleur call. Oui, c'est une case Dragueuf. Il y a quelqu'un qui me demande si c'est une case que Dragueuf. Oui, ça se voit quand même. Oui. Sondage. On va faire un sondage, mais bien sûr qu'on va faire un sondage en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Alors. Hop. Pod. Ré neutre. Vie. Autre. Sondage une minute, je vous retrouve à la fin du sondage. Oh non, je vais vous laisser parce que vous verrez le chat et ça peut être intéressant. Donc là, on est parti pour une minute de sondage. En vrai, bon alors l'abonné en question me dit qu'il connaît pas. Qu'il connaît pas du tout la FM, donc il n'a pas d'avis. On me dit go pod, rune vie ou récri ou pod. Super. C'est exactement les trois options du sondage. Ah, c'est compliqué. Par contre, la pavie, pour moi, ça fait de la merde, la pavie.
Je donne des bits dans le sondage où ça sert à rien. J'en sais rien. Je pense que ça sert à rien. Enfin, je sais pas. Je ne sais pas. Goalini, ah mais mec, je peux me retrouver avec des morceaux d'ini, des morceaux de pod, ça c'est le pire scénario. En vrai, c'est technique, hein. Les amis, la Réneutre remporte le sondage à 44%. Le sondage est fait, le sondage est fait, c'est Réneutre qui gagne. Bon, je souhaite de tout cœur pour la personne que ça fasse pas n'importe. Moi, en fait, ce dont j'ai peur, c'est que ça tombe des pods, mais que ça n'enlève pas complètement les pods. Je l'ai dit. Bah là, c'est Rune Vie, hein. En vrai, on retombe sur ce que me conseillaient beaucoup de personnes, qui était le de mettre une par écrit. La par écrit, elle faisait ça dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, 197. Et nous, on avait une chance que si la pod ne passe pas, ça fasse... En vrai, il y aurait mieux valu, à la limite, que la pas faux passe plutôt que la pod, hein, à choisir, mais... Écoutez, voilà. C'était un choix difficile. Franchement, c'est pas si horrible. Ça aurait pu être pire, mais bon. Voilà, écoutez, c'est fait. La personne me dit, c'est propre, pas de soucis, j'ai aucun regret. Merci aux abonnés. Voilà, écoute, en vrai, c'est un cas de figure qui est assez... qu'on croise pas non plus tous les jours. Ce sera intéressant peut-être d'avoir dans les commentaires d'autres analyses. Écoutez, c'est fait. Voilà. Bah écoutez, on va enchaîner sur notre amulette. Et ça fait une petite coupure et ça sera l'occasion d'avoir un petit débat. On enchaîne. J'ai oublié de mettre la transe. Il voulait une transe à la base quand même, donc on va lui mettre. On va pas abuser. Hop. Et voilà. C'est vraiment bizarre ça. J'étais en train de lire mon chat et il n'y a plus de PA sur mon item. Il est passé où ? Si quelqu'un a vu le PA... Non, attendez. En vrai, on va faire comme ça. Là, j'ai 22. Je peux monter à 37. On va y aller comme ça, en vrai. Hop, on va lâcher notre meilleur... J'ai fait de la merde. Le chat fait, alors pour ma défense, le chat fait n'importe quoi depuis tout à l'heure, il me déconcentre, vraiment. Je suis déconcentré par mon chat. Ils font les pitres. Ils font les pitres dans le chat. En plus on m'appelle, c'est génial. Mais bon, j'ai du crit Rainé. Non mais ça compense, ça compense. Là je pense que il faut y aller à la fois. Je pense que j'ai 3%, j'ai pas besoin de compter. J'ai absolument foi dans mon item. Ça me fait souvent ça quand même. Hein. Bon allez hop, 3%. On remet le PA. Ah, c'est pas passé. Bah tant pis. 97 depuis. L'intel va être technique. Je crois que je vais spam l'intel en premier. Oui, moins 30, ça va. Ça aurait pu être bien pire. Bah on va pas ça, hein. Bah évidemment, non mais forcément. Forcément, ça écrit quand on s'en fout. Tac. Oh la perfection. La perfection, les amis, c'est magnifique. Bon, on a 14 de trop. 14. Je peux monter à 29. Je peux monter à 44, c'est de la merde. On va go 14 into pas faux, hein. C'est pas magnifique, mais là c'était compliqué quand même de faire les choses autrement. Oui.
57. On va tenter la petite rune, ça. J'ai envie. Ça se tentait. 9 tenta. Bon, c'est la dernière de la soirée. Hein. Après ça, je cote le live. Parce qu'on finit sur un truc stylé. Bon, bah. Et en 2 runes, j'ai eu plus que ce que j'ai eu en 13 runes sur certaines tentas. Je dis ça, je dis rien. Vous en faites ce que vous voulez. Bon, le chat, il y en a qui voulaient me donner de la force tout à l'heure, peut-être que là c'est le moment. Bon, si vous voulez, est-ce que je le mérite, est-ce que je le mérite pas? Ça commence à faire longtemps qu'on est sur l'item quand même, hein. Ça commence à faire longtemps, c'est censé être un truc facile à faire. J'ai souvenir d'une époque où en 1h30 c'était plié un 3% R là-dessus. C'était une belle époque. Évidemment, comme ils ont pas retouché le taux de repassage DPA, j'ai juste pas de chance à toutes mes runes depuis 2 ans. Mais tranquille. Bon, le chat me dit, ça a l'air d'être unanime. Tout le monde est d'accord pour dire que ça passe. Bon, bah si le chat dit que ça passe, c'est que ça passe. Mon chat m'aurait donc menti. Mon chat m'a menti. Tout le monde a dit ça passe 100%. Ça ne passe pas. Je me fais prendre par mes abonnés. Bon, on est reparti pour 2 semaines de stream sur l'item, hein, c'est bien. Non, mais on se régale. Écoutez, pas de chance. Pas de chance, pas de chance. Je viens de lancer le stream. Première tentative de la soirée. Écoutez, j'ai fait un petit misclick, j'ai mis une Dofeu de trop. Donc on a un over Dofeu. Mais le jet est pas dégueu, j'ai les 40 sagesse et les 80 d'intel. Donc franchement, c'est pas mal. Je tryhard le full perf, évidemment. On va faire tac. Plus 2. Tac, tac. Moins 3. Hop, hop, oh yes, moins 20. L'attentat est insane, les amis. On a le full perf. Plus 0,2. La J. Il y a plusieurs choses qu'il faut que je gère là. Je vais over. Il y a toujours un petit débat sur est-ce qu'il vaut mieux d'abord monter les lignes qui sont en sujet, là il y a les réécrits et les repères, ou alors d'abord faire les overs. Je vais faire l'over plutôt. On espère ça passe hyper bien. Les amis, l'attentat est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Ça va être magnifique. Peut-être tenter à 3% full perf. Ce serait pas du tout impossible. Là, tout se passe à merveille. Là, vraiment, je pouvais pas avoir une meilleure tenta que ça. C'est absolument insane. Incroyable, c'est parfait. Je pense que c'est la plus belle tenta que j'ai depuis que j'ai commencé le FM Stitem. Oh, quoique. Enfin, 9 tentas sur full perf. Ça m'est quand même plutôt bien. On commence bien la soirée, hein. Je viens juste de lancer mon stream. Il n'y a encore personne là pour l'instant. Bon, bah écoutez. Faut y aller. Oui, ça commence bien. Oh yes. Je pense que j'ai une tenta. Bon, je vais pas parler trop vite parce que je vais me faire karma. J'ai envie de dire, c'est sûr que j'ai une tenta full perf 3%. Mais on va éviter de parler trop vite. Hein. On va cliquer sur les runes calmement. Et on va espérer qu'il se passe un petit 3%. Et voilà. Non mais c'était sûr. Parce qu'on a le PA là-dessus. Pas de PA. Mais allez, on continue. Ça aurait été beau, dommage. 90 depuis. Bon bah c'est la Vita, faut pas qu'elle soit capricieuse. Si elle passe vite, il y a peut-être un moyen. Ok, cool. Hop. J'ai 8 à enlever. On va faire une repair. Oui. Et une réécrit. En espérant que j'ai un moins 10 et pas un moins 11. J'ai encore parlé trop vite, j'aurais dû fermer ma gueule, hein, je me suis fait karma. C'est le karma, c'est évident. Il n'y a aucun doute, les amis. Moins 20. On va y aller comme ça. Oh, la perfection, ça c'est beau. Quand ça me fait ça, vraiment c'est très très beau. C'était un pur régal pour mes yeux meurtris par tous ces PA qui repassent pas. Ça a fait du bien à mon âme, ça. Ça m'a apaisé. Moins 5. 55 depuis. 9 tentas. Est-ce qu'on fait mieux que les 2% de tout à l'heure?
95 depuis. Bon. Comment on gère la vita? Je vais faire ravi ravi. Et il me faut un moins 6. On va y aller à la rune faux. Moins 6, please. Putain, et là je vais l'avoir maintenant le moins 6. Bon, c'est chiant. On aurait essayé. Par contre, bon, le crit, on va dire ça. Le karma s'équilibre un peu. Du coup, je vais pas faux, c'est un peu chelou, mais let's go. Hop. On va. Rage, moins 9. Bon, en vrai, on a pas une vita hyper clean, pas une sagesse clean non plus. Mais on a pas mal de puits pour la fin du FM. Ça met plutôt bien. Ça, c'était chiant par contre. À quel moment je perds 24 pour mettre 1% raise? Une tenta sagesse. 4 tenta raise. Pas de PA. 96 depuis. Bon, la vita est un peu dégueu, mais ça va être compliqué de la rectifier. On va. Ah, j'ai serré les dents. Hein, c'est passé. C'est passé. Bon, qu'est-ce qu'on fait? En vrai, je vais faire repair. Récrit. Hop. Ça pique un peu là, mais bon. Je vais pas faux en vrai. J'aurais pu mettre une récré, putain, je suis débile. Je suis un bouffon, évidemment. Les rageux du chat avaient raison depuis tout ce temps, en fait, je ne sais pas FM. Unlucky. Bon, 44. Techniquement, je peux tenter un double succès crit à la réflexe et je gagne une tenta. Raté. Donc j'ai 7 tenta. Donc j'accepterai minimum 3% sur un ingénieur perf, donc là-dessus en PO. Par contre, si j'ai un PO, je suis bien. Pas de chance. 97 depuis. Bon, j'ai un peu réfléchi à comment choper le full perf. C'est bon, je sais. Dans tous les cas, dans tous les cas, j'ai full perf. Là, c'est un 100% full perf. Je peux pas ne pas l'avoir. Bon, on n'a plus de puits. Mais bon, ça, si vous voulez, c'est un problème annexe. Ce qui est important, c'est de travailler à tout prix le full perf. Là, il me faut. Si j'ai moins 5 ou moins 6 dans les deux cas, je m'en sors. J'ai moins 6, donc là, je papode. Je papode. Ah, il faut compter, hein, les amis. Les congruences. En fait, si j'avais moins 5, je mettais 3 runes pod. Et le moins 6, je mets une papode. Et dans tous les cas, j'avais mon full perf. Bon, on n'a plus de puits. Ça, si vous voulez, c'est anecdotique comme problème. On a fait du beau jeu. Et ça, c'est. Il vaut mieux mourir avec honneur que triompher piteusement. Ce que tu préfères, faire pitié et faire un G à moins 6 de vita, ou alors avoir la classe comme moi et aller chercher du full perf. Je crois que la question, elle est vite répondue. 98 depuis, je pense que c'était une repair ici. Normalement j'ai plus 4, petit doute, vivement la 2.58 qu'on puisse voir les runes qui m'ont fait tomber des trucs. J'étais en train de dire que j'espérais vraiment un QPA maintenant. Là, je suis vraiment bien pour le coup. J'ai 11 à dégager. Je peux sécuriser le full perf. En fait, je peux faire soit je fais pavi, into ravi, into 2 pods, j'ai mon full perf assuré. Mais c'est un peu greedy, la pavi à 361, ça va très mal passer, c'est un coup à défoncer le puits. On va plutôt y aller comme ça. Et il nous faut un moins 6, un moins 5. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. C'est safe. C'est hyper safe. Le mental est présent, ça ne peut que faire des dingueries. Il me faudrait des petites runes. Oui, tac.
Allez, il a moins 6, please. Ah. Dans ma tête, ça se passait mieux que ça. Bon, écoutez, bah, pas de chance, hein. Hop, je vais réessayer très clairement. Moins 10. Si vous voulez, au bout d'un moment, j'essaye de toutes mes forces, hein. Je pense que tout le chat pourrait en témoigner. Je fais ce que je peux. Oh putain, c'est pas cool ça. Moins 40. Aïe aïe aïe, coup dur pour le joueur français. Non, fallait pas que ça crit. Enfin bon, ça me va, mais on va le récup comme on peut. Ok, tac, tac. Bon, c'est ok en vrai. Moins 4. Moins 5. Moins 9. Fin depuis. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. 3 tentats. 3 tentats, ça peut faire 3%. Je dis ça, je dis rien. Il me reste 2 tentats, je peux avoir 3% encore. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. 95 depuis. On va accepter une vita, pas ouf. Il n'y avait pas vraiment de façon de faire mieux là, ça aurait été un peu compliqué, on aurait potentiellement perdu beaucoup. Le chat me dit tout le temps, mets une painée au lieu de faire deux rainées là. C'est vrai que ça m'éviterait de devoir me taper d'un over de 79 à 89, donc pour écouter le chat, on va faire ça. Il y en a beaucoup qui me l'ont dit. Mais il faut vraiment que ça passe quoi. Est-ce que je passe facilement à 72? On va voir. Faudrait essayer un certain nombre de fois et pour se rendre compte est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas. Franchement, la question se pose. Bon, moins 10. Tac. On va enlever ça gentiment. Voilà. Petite rainée. Le regard à la caméra qui carie, hein. Vraiment sans ça, il n'y avait aucune chance que ça passe. Bah écoutez, c'est super, c'est un plaisir de se faire défoncer des tentats comme ça. Si j'avais mis mes deux Rainés au début, on n'en serait peut-être pas là, hein. Je dis ça, je dis rien, après vous en faites ce que vous voulez, mais. Écoutez, il me reste littéralement 8 depuis, bah, ça me fait super plaisir. C'est waouh. C'est vraiment de la belle FM, hein. On était vraiment très proche du 3%. Rien à redire, hein. 96 depuis. On a le père Vita. Oui. Triple pod. Voilà. Donc là, j'ai plus 0,3. On va tenter encore hein, les conseils qu'on m'a donnés. Vraiment, j'ai eu beaucoup de commentaires qui m'ont dit là, fais plutôt painé et ensuite rainé pour monter à 82. On va le faire quelques temps comme ça. Une fois qu'on aura un peu de recul statistiquement, on verra ce que ça donne. Là, j'ai moins 0,5. C'est pas dégueu en vrai. Hein. C'est pas dégueu. Vous voyez, je lis vos commentaires, hein, pour ceux qui en doutaient. On va commencer par. Ah bah, du coup, on va faire pareil sur la J en fait. Ouais, bah, du coup, en fait, on va rainer. Moins 10. Oui. Pro les lags là, what the fuck. 3, 4, 5, 6, 7. Ça pique un peu quand même. Est-ce qu'on y est vraiment? En vrai, j'ai l'impression que c'est un peu kiff-kiff. Hein. Je suis pas sûr qu'on y gagne vraiment. Je pense que ça se vaut à peu près. Je pense qu'on va pas avoir beaucoup de tentes à répéter, les amis. Je vais être très honnête avec vous. Je suis lucide. Je regarde la réalité en face. Je pense que ça va être technique.
Il me reste 3,8 depuis, bah GG à tous, vraiment ça régale. Bon, bah pas de chance, hein. En vrai, à 3 depuis, on a une tenta sagesse, hein, et on peut avoir un full perf. Pas de chance. Bon, avec 0,8 depuis, on va pas très loin, malheureusement. On n'a pas le PA, ah, c'est pas de chance, hein, vraiment. PA qui repasse pas, même là-dessus, on n'aura pas ce plaisir. Tant pis. Ça va être l'attentat OSEF. On va la faire les yeux fermés. Quand je dis les yeux fermés, je ferme pas les yeux, hein, on est d'accord. Ça veut dire que je compte pas le puits. Hein. Ne me prenez pas non plus au pied de la lettre à chaque fois, quoi. En vrai. Ouais, je préfère comme ça quand même. J'aurais bien aimé un petit crit à la Pado, pour être honnête. Bon, à la louche, je pense qu'on a largement de quoi se mettre un petit 3%. Franchement, ah! Pas de chance, pas de chance. En vrai, ça, c'est une tenta crit de perdie, hein. J'aurais tenté. Bon, le PA est tombé très vite après le dernier repassage qu'on voit ici. Ce qui veut dire qu'on a un G qui était très haut de base. Normalement, je fais systématiquement du tryhard de perf sur les lignes, mais là, pour faire plaisir un peu au chat aussi, on va s'accorder de balancer 1 milliard de raise. 93. On a 15 tentas, les amis. Et on a 3 en rab. Qu'on peut faire une tenta pas âge. En vrai, je vais plutôt tenta pas inné. Parce qu'à choisir, je préférerais avoir le perf intel, comme c'est pour un nanny feu quand même. Une tenta pas inné. 15 tentas, les amis. 15 tentas repair. Là, c'est. Comment dire? Je fais une entorse à mes principes. Normalement, vraiment, je cherche le max. Mais bon, là, si vous voulez, ça se passe pas hyper bien. Je crois que bon, on peut se permettre une tenta où on se fait juste plaisir. Je vais même faire ce que je déteste. En vrai, je déteste les streamers qui font ça, mais je vais faire ce que je déteste. Je vais fermer les yeux et je vais faire fusionner tout. Vraiment, full méta slave YouTube Twitch. C'est parti. Je sais plus, ça reprend combien de temps. Je ne vois pas, je ne vois pas. Ok, je pense que là c'est bon. Ok. Écoutez, les yeux fermés qui carry, hein, GG à tous. J'ai vraiment fait tout ce que je supporte pas qu'on fasse. Laisser les stats pas perf, fermer les yeux quand on passe les runes. Vraiment, je me suis. J'ai perdu toute ma dignité. C'est fini, vraiment. Et pas de chance, pas de chance. On a beau essayer tout ce qu'on veut, on a beau faire un pacte avec le diable, ça ne suffit pas. Pas de PA. Unlucky, unlucky. Bon. J'ai eu une petite mésaventure cette nuit, les amis. Là, je vous retrouve le lendemain des dernières séquences qu'il y a sur la vidéo. J'ai eu un problème. Je me suis couché assez tôt dans ma Yes Life en me disant je vais me lever tôt, petit café, petit footing et tout. On fait du colis trop frais, bien. Bien propre, bien rasé et tout, je me suis tapé l'incendie de ma vie en fait, c'est-à-dire que je suis resté allongé dans mon lit à regarder mon plafond de 1h du mat à 9h du mat. Donc, unlucky, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis éclaté et que du coup j'ai passé ma nuit en fait à Theorycraft dans ma tête et à revoir tous mes stuff et tout. On s'occupe comme on peut quand on n'arrive pas à dormir. Et il s'avère, les amis, coup dur pour le joueur français, qu'en fait j'ai pas besoin de cette amulette Exorez R. En fait, je me suis chié, j'ai pas du tout besoin d'avoir un Exorez R là-dessus. Donc en fait, ça fait littéralement 2 semaines que je suis sur cet item, tous les soirs quasiment en stream, et qu'en fait, j'ai pas besoin. c'est vraiment dommage. J'ai quand même besoin de l'item, mais pas en Exorez R, en Exo dommage distance. Idéalement, dommage distance PO. Je dis ça, je dis rien. Donc en fait, écoute, je suis un peu déconcerté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire
On va faire quand même l'attentat là, on a 94 depuis. Et on va switch sur bah, des tentats dommage distance du coup. Du coup, bah, ça va être la fin de cette vidéo. Parce que là, j'ai déjà plein de séquences et tout, la vidéo elle est longue. Bon, même s'il se passe. Bon, en vrai, il se passe des trucs marrants, même s'il n'y a pas forcément un RNG qui sort à la fin, je sais qu'il y en a quand même bien, mais. Il y en a aussi des fois qui me disent, ouais, tes vidéos, on sait que celles durent 1 heure, on doit juste regarder la fin pour voir l'item et tout. Il y a aussi tout le côté où il y en a qui aiment bien se la mettre pendant qu'ils jouent, qui font autre chose et compagnie, donc ça, je respecte. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire un petit. Hop, moins 30, petite pod. Donc voilà quoi, c'est un peu unlucky, mais écoutez, c'est la vie. On va mettre ça. Moins 10. Voilà, je vous la mets quand même la vidéo parce que je sais qu'il y en a qui vont apprécier la regarder. Il y a aussi, on discute de stratégie d'FM, on discute de façon d'optimiser le puits, de trucs comme ça. Il y a quand même des trucs qui se passent. Il y a aussi des belles tentates de pourcent PO quand même qui sont passées par-ci par-là. Ça fait plaisir aussi accessoirement. Et du coup, bah, il y aura probablement, sauf si je passe le G Insane maintenant, il y aura probablement ensuite une autre session tryhard en 2 perdis. Écoutez, j'ai 48, c'est parfait parce que j'ai une tenta sagesse. Passe pas, et j'ai 3 tentats de perdi, c'est les bonnes, hein. De perdi, 1, 2, et 3. Est-ce qu'on a le PA là-dessus, les amis? Si j'ai ça, c'est bon, je le prends, je PVP avec. Ça aurait été stylé que ça passe en reste, ça aurait fait un petit storytelling plutôt calme. Écoutez, voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, du coup, il y aura surtout des tentats Exorez R, et on enchaînera sur une autre vidéo où ce sera des tentats dommages de distance. Et je suis un peu deg en plus parce que j'aurais eu du GPRF, à la limite j'aurais pu faire un GPRF plus trans, ça aurait été ok pour PVP. Bref, on reprendra tout ça. J'espère quand même que cette longue vidéo vous aura plu. Bon, je pense que quand même il y en a beaucoup qui adorent regarder ça, même s'il n'y a pas forcément un énorme G de ouf 3% PO qui sort. Ça fait quand même des petites discussions autour des items et tout. Bref, si ça vous a plu, vous likez, partagez, commentez, j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.